Dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout simplement à adapter un patron à votre morphologie quand vous avez un petit peu de ventre pour les femmes rondes. Donc on va commencer tout de suite. Mais avant de continuer la vidéo, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre. C'est une vidéo où vous allez retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans ma description. C'est en bas que tout ça se passe. Et cette vidéo ne sera pas disponible éternellement. Donc si ça vous intéresse, faites vite. On commence tout de suite avec la vidéo. Donc voilà le patron de couture en question. Donc là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un petit peu plus sur le côté. Comme tu peux le voir, j'ai mis tout simplement une feuille en dessous. C'est ce que je te conseille de faire, de mettre une feuille en dessous et de mettre des petits bouts de scotch pour pouvoir bien fixer ça de manière à ce que ça ne bouge plus. Et ce que tu vas venir faire c'est que tu vas venir et bien te munir et bien d'un perroquet ou d'un pistolet, ça a deux noms, je l'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, c'est une règle qui est spéciale pour tracer des courbes et qui va venir nous aider à faire un joli travail et bon, en tous les cas ça va nous aider à faire de jolies courbes. Donc on va se munir de ça, on met une feuille en dessous. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais te faire la démonstration et je vais te montrer comment je me débrouille concrètement pour ajouter un petit peu plus d'aisance sur le côté quand on a un petit peu de ventre. Donc c'est parti, on y va. Comme tu as pu le voir, cette modification elle est très simple et très facile à faire. Tu peux faire ça sur le devant, sur le dos c'est pas forcément nécessaire, d'accord? Et comme ça, ça te permet d'avoir un petit peu plus d'aisance et si tu te trouves un petit peu serré dans ton vêtement, même si tu as pris la bonne taille, des fois ça peut arriver, bah c'est pas grave, tu peux faire cette petite modification, ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise dans ton vêtement. Donc voilà pour eh bien, cette modification. Donc voilà pour ce petit aperçu, j'espère que ce petit tutoriel vous donnera des idées à vous pour pouvoir modifier vos patrons quand on a des formes et quand on est une femme ronde. En tous les cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et nous on se dit à très vite.